Afghanistan. The mirror is broken, the image remains. Far from being the land of war and conflicts, Afghanistan is a land of riches that include past civilization, ancient culture and history, and that is what we saw in these paintings. Here at the European Parliament in Strasbourg, as a feature in our culture page, we caught an exhibition by this wonderful gentleman we see now, who showed us his work, explained his agenda. He's an Afghan national, but has lived in Grenoble in France for many years, and he wanted to express through art and imagery another perspective as we view, or should view perhaps, Afghanistan today. Bonjour, je m'appelle Hachem Barakzai. Je suis d'origine afghane, j'ai la nationalité française, j'habite en France depuis très longtemps. Je suis arrivé en tant que réfugié politique. J'ai passé plus de ma vie ici en France qu'en Afghanistan. Après mes études, je me suis lancé dans l'art, notamment la peinture. C'est par ce biais-là que je suis en train de m'exprimer par rapport à l'Afghanistan, afin de donner une image positive et neutre, surtout neutre, de l'Afghanistan. Parce que, hélas, depuis plus de trois décennies, ce pays-là est en guerre. Il a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de hauts et de bas. Il a une image très terne, en Occident notamment. Moi, par le biais de la peinture, donc, j'essaie de donner une image, afin de sensibiliser les gens, une image positive de l'Afghanistan. Dieu sait que c'est très vaste, il y a beaucoup de sujets, mais pour mieux faire comprendre les gens, donc je voudrais donner une image de ce pays-là, par son histoire. C'est une histoire millénaire de plusieurs milliers d'années, entre 5 et 6 000 ans d'histoire officiellement, par ces civilisations-là, par son emplacement géostratégique. Donc je m'exprime. Dans mes œuvres, on voit beaucoup de monuments historiques qui datent de plusieurs milliers d'années et de plusieurs siècles. Ce sont des monuments qui appartiennent donc au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis à travers ça, donc aussi, donc je peins beaucoup donc de portraits d'hommes et de femmes afghans. Par leur regard, donc j'essaye de donner leur image positive d'humanité et de tolérance, parce que nous avons connu un autre Afghanistan. Dans tout ce que je fais, bien sûr, j'ai un objectif principal qui est très, je répète, très important pour moi, de faire passer un message. Quel message? Un message de paix, un message de tolérance par rapport à ce pays-là. Et surtout de montrer aux gens, comme je disais tout à l'heure, que l'Afghanistan, heureusement d'ailleurs, heureusement pour nous et puis pour les amis d'Afghanistan, que l'Afghanistan n'est pas uniquement une terre de guerre, c'est une terre de civilisation. Certes, la guerre existe depuis plus de trois décennies, mais ce pays-là a quand même connu un passé glorieux et historique et très riche. Il a pas eu une histoire officielle depuis 5 et 6 000 ans, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est un pays qui est très riche sur le plan historique et culturel. Donc, c'est ce message-là que je voudrais faire passer donc, à travers ma peinture, pour montrer aux gens que l'Afghanistan, ce n'est pas une terre de guerre uniquement. L'image est très terne, mais c'est à moi de me battre sur le plan artistique. Peut-être, bien sûr, seul, je ne pourrais pas faire grand-chose. Mais l'amour que j'ai pour cette patrie d'origine, donc je répète, c'est de donner une image positive de l'Afghanistan. Voilà. Donc vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui est barakzaihm@gmail.com ou sur la carte de visite, donc il y a toutes mes coordonnées. Donc ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent voir mes œuvres, ils peuvent me contacter à ce moment-là, donc je prendrai aussitôt contact avec les gens qui seront intéressés par mon combat artistique. Voilà, je vous remercie. Thank you for watching. This is Randall Calvin for EU Spectator at the European Parliament in Strasbourg.